ça, c'est le problème. C'est normal, tu découvres tout ça. C'est ça. Voilà. Et puis les gens comme ça, là, les hommes comme ça, quand tu leur dis, ah, tu sais, il y a des gélules qu'on vend, il faut aller voir. Non, non, non. Moi, ça me. Et puis quand tu leur dis pour manger un chewing-gum, je n'aime pas chewing-gum, pour manger chewing-gum. Toi aussi. Moi, chewing-gum là. Je t'ai dit. Est-ce que tu conseilles justement à ces dames de quitter leur homme à cause non. de ça ou non, franchement, je dis non. Je dis qu'on ne quitte pas un homme parce qu'il ne sent pas bon. On ne quitte pas un homme parce qu'il n'est pas propre. Okay. Parce que l'homme, en fait, tu peux le rééduquer. C'est-à-dire, tu peux le rendre dans ton genre. D'accord. Même chose pour la femme là. Donc tu l'éduques. Bien sûr. Tu l'éduques. Parce qu'un homme qui est célibataire. Bon, non, pas tous les hommes, hein, mais il y a des hommes célibataires qui se laissent. J'ai dit, ce sont les femmes qui nous donnent la différence entre déo, parfum et eau de cologne. Sinon, nous, là, déo, là, c'est parfum. Mm-hmm. Voilà, à la base, déo, c'est parfum. Tu mets dans tes habits, voilà, va. Donc, on a bien noté, c'est un tue-l'amour. C'est vrai que certaines personnes ne parlent pas, mais ça tue l'amour petit à petit. Et il faut arrêter ça. On va du côté des femmes. Mix, qu'est-ce qui tue l'amour chez la femme physiquement? L'entretien. Mm-hmm.